Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Hitman et plus particulièrement la section défi YouTube. Le défi d'aujourd'hui m'a été lancé par Toto le Rigolo et ça se passe à Marrakech. On s'échange nos objets, c'est comme ça qu'a été intitulé le défi du jour. Il va consister donc à éliminer Reza Zedan avec un objet qui sera impérativement trouvé dans le consulat. Et inversement, Klaus Hugo devra être éliminé avec une arme trouvée dans l'ancienne école. Niveau préparation, on va commencer directement au niveau de la ruelle de l'école, équipé de crochets. Un objet de contrebande, on va se mettre le brouilleur à usage unique. Et bien sûr les pièces de monnaie. You're in. Good work, 47. Now to locate General Première étape, se trouver un costume sympa. Comme souvent à Marrakech, moi j'aime bien le costume de militaire avec le béret rouge. Il nous permet d'aller à peu près partout. Et en plus, on peut congédier pas mal de monde au niveau de l'école. Notre échantillon. Bien sûr, l'objectif, c'est de réaliser le défi. Ça, c'est un silencieux. You're dismissed. General Satan's order. On va congédier. You're dismissed. General Satan's order. Yes, sir. Tout soldat qu'on croise. You're dismissed. Ce sera autant de problèmes en moins. You're dismissed. General Satan's order. You're dismissed. General Satan's order. You're dismissed. General Satan's order. See, the drugs have or have not taken effect yet. Ouais, le général s'en va. You're dismissed. General Satan's order. Get the hell up or I'll knock you down permanently. Lui, on va le faire venir ici. What the? Heard something. Stand by. I see you normally, sir. Oh. Là, on va trouver une arme sympatoche, un sabre, rien que ça. Le général revient. Il va dire que je serai mieux de l'autre côté. Direction la sortie. En plus, ce costume nous permet de nous balader avec une arme sans souci, parce que le sabre peut pas être rangé. Passer par le sous-sol. You made it. Most impressive, 47. Now to locate Klaus Strandberg. Personne peut nous inquiéter, je crois. Le brouilleur. Je vérifie quand même toujours sur la map. Pas de point blanc. Ah, on a été repéré.
Je suis un peu merdouillé, on va s'occuper des cams. Alors il y a un badge hein, sur la table qui est ici, mais par commodité. So. Hey, I'm sorry, buddy. You can't just throw your stuff around, you know? S'occuper de lui. Regardez par où il regarde. We salute you, sir. Je me méfie parce que voilà, à un moment donné, on n'est plus le bienvenu. Alors on a un déguisement ici, mais pour pas perdre trop de temps, on va prendre son costume, on peut prendre le sabre. S'embêter à ranger les corps, personne n'est ici. Ah, security. You look well prepared. On va reprendre notre costume. Direction les cuisines. Pour dégoter une arme. Pareil normalement ici. Personne ne nous verra suspect. Oh, my humble apologies. Éviter les confrontations. Un choix, ça sera parfaitement l'affaire. Direction la sortie. Puis on a désactivé les caméras. Le stagiaire. Je peux sortir par la grande porte. Notre avantage de ce costume. De retour à l'école. Under control, sir. Checker où est la cible. Dans son bureau. Elle est en train de sortir. C'est pas grave, on va l'avoir sur le chemin. You're dismissed. General Satan's order. You're dismissed. Congédie un peu Satan. Plus de monde. Thank you, sir.
combat. That is General Reza Zaidan, keeper of the peace. Both targets down. Now head towards an exit. Je suis un tout petit peu le corps. Et par ici la sortie. Donc en tout cas je remercie Toto, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de défi qu'on m'avait lancé. Donc ça fait un bon moyen de renouer avec les bonnes traditions. Donc surtout n'hésitez pas à me lancer d'autres défis. C'est surtout le côté original et sympathique du défi qui fera que j'en referai ou pas. Et surtout n'hésitez pas. Et voilà. En plus, on a pu le faire en assassin silencieux.